toutes et à tous, ici Chronos83 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Wolfenstein. Tu peux ouvrir cette trappe? The New c'est peut-être une issue. Order. Donc, on s'était quitté là-dessus. Alors, on va grimper là-dessus. Il fallait que je coupe ça. Donc, j'espère que on va bien gazer dans cet épisode. Et on est parti. Donc on va leur faire un coup dans le dos pour tous les tuer. D'alerte. Un exercice d'alerte. T'aurais mieux fait de pas être là. Je prends tout le matos qu'il y a. Ça fait plaisir à voir. Oh oui. Tu peux pas savoir. Ça fait très plaisir. Tac tac. Petit chapeau. Petit 42 vie. Le petit chameau. Avec quoi on va y aller? Le fusil à pompe. Donc là en principe ce sera pas du furtif hein. Voilà. Ils sont tous morts les autres? Oh la merde. Ah je crois que je pouvais prendre son fond. Merci. Petite préférence pour le fusil d'assaut, tu vois ce que je veux dire. Et on y va. Pitié, couille-toi. Quel budget? On doit appuyer sur ces boutons en même temps. À mon signal, appuie sur celui-là. Prêt ? 3, 2, 1, maintenant ! Putain ! Ah oui, tous les prisonniers. Et merde ! Je suis passé, moi. Et voilà ! Voilà, on y va. Il y a des tourelles automatiques un peu partout. Putain, je savais pas que ça faisait si mal ça. Allez, on y va. Tiens. Allez, on y va. Merde. Ah ouais, on se fait très vieux même. Ah non, ça par contre, j'ai pas oublié, je le fais depuis un moment. Oula, oula, oula. Il tire d'où? Là-bas. Tu me diras, c'est facile quand t'es à main nue. Te faire buter. C'est pas ici. C'est pas là. C'est là. Ouais, c'est là. Il est fou, lui. Qu'est-ce que je dis? Là. Je sais même pas d'où est-ce qu'on me tire dessus. Là-bas. Et on y va. Petit bouclier, j'ai vu. Ah, petit casque. Oh putain. Regarde comment ça fait mal cette connerie. Oh la vache, ça fait hyper mal. J'ai oublié de lancer le timer. C'est pas grave. Oh les salauds. J'ai plus beaucoup de vie. Il y a un fil électrique dans l'eau en dessous. Ça a marché. Cours. Faut qu'on foute le camp. Par ici. Par toi. Ah, j'arrive, j'arrive. Hop. C'est pas vrai.
Et on y va. Personne n'est jamais parvenu à partir d'ici entier. Saloperie. Bah moi je suis rentré. Je vais ressortir. Je vais... Je rentre sous ça. C'est... Voilà, ça je m'en doutais. En fait, il est déjà mort. Hein. Tiens. Attention à 3-9. Je savais que j'aurais dû le tuer. Et maintenant, ils vont me faire chier. Alors, on y va. Salopard d'enfoiré de nazi. Ah, t'as été derrière. Je suis pas mort, je suis sûr. Oh! J'aurais dû m'en douter. Ah, mais les gars, on sort pas tous en même temps. Voyons. C'est stratégiquement pas intelligent. Bon. On sort aussi de ses côtés. Mais... Ah d'accord, c'est un costaud. Je me disais bien. Ok. Il y a assez costaud, ce con. Ah, c'est bon. Alors lui, t'es en plein milieu. Oh, 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 oh. Oh, je sens que je vais mourir. Faut que je régène. Oh là là, c'est chaud cacao là. Oh oh oh, qui me tire dessus? Qui me tire? Oh non, il y en a un autre. Oh, mon dieu. Je vais aller là-bas. Avant. Je suis pas mort. C'est qu'une illusion. Et il me restait. Mais que je comprends pas comment j'arrive à perdre ma vie aussi rapidement. C'est un truc de fou. C'est pas grave. C'est bizarre, dans le jeu d'assaut, je gère plus en infiltration qu'en assaut. Bon. Chargement de l'infini, là. Oui, parce que dans le jeu, les chargements sont très longs. Putain. J'ai besoin de vie. Voilà. Putain, j'avais fait un bon truc tout à l'heure pour tuer tous les gens. Hop. On peut pas tirer à travers. Attention à 3 et 9 heures, d'accord. 3 et 9 heures, c'est là-bas, normalement. Salopard d'enfoiré de nazi. Ils vont sortir. Oh putain. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Enfin, pas vraiment. Oh putain, tout à l'heure. Non. Ça plante tout. Bon. Putain, c'est pas possible. Oh, j'ai fait le con. Je voulais prendre mon fusil à pompe, sauf que j'appuie sur B. Je suis dégoûté d'être aussi con. On va dire c'est le matin, je tourne tôt là. On va dire que c'est la faute à ça. Faut que j'essaie de montrer un peu de skill. Un coup c'est épisode avec skill, un coup c'est épisode sans skill. Putain. Chronos, tu nous fais quoi là? Oh, tu te calmes. Tout à l'heure, premier essai, j'avais fait un beau truc. Ah. Il va y avoir le Dox qui va sortir. Moins. L'autre en haut. L'autre là. Ok. Je
Ça arrive un peu tard. Je crois que t'étais... Oh, je crois que t'étais mort, toi. Alors, il me faut ça. Voilà. Ça c'est des gros hein, pour ceux qui se demandent. C'est bon, j'ai foutu quelques balles dans les courouilles. Mais la meilleure arme c'est le fusil à pompe contre. Et le fusil à lunettes, voilà. Il y en a un qui va sortir par là. Oh putain. Ah oui, c'est la tourelle qui m'a fait ça. Je l'avais zappé ça là. Munitions, celle-là. Hop. Oula, oula, oula. C'est chaud là. Hein. C'est pas qu'on peut casser ça. Je l'avais vu ce soldat en haut à gauche. Fusil à pompe à distance, c'est pas l'idéal. Taille double. Plus de munitions déjà? Putain. J'en ai. Non. Non, j'ai dit celui-là. Ah, elle recule. La gêne. Voilà, à la tête. Oh, mon dieu. Il faut que tu me couvres pendant que j'ouvre la porte. Ah ouais. Qu'est-ce qui me tire dessus derrière? Personne, j'espère. Hein. Où tu vas comme ça? Ah, tu les contournes? Pas de problème. Ouais, je les contourne. Bien sûr que je les contourne. Bah, le masque. Oh oh oh. Putain, je suis que dans leur munition. Mais arrêtez de jouer à ça! Et. Oh là! Costaud lui! Elle même! J'ai plus rien! Là! J'avais pas vu ça! Mais bon, c'est que la munition hein! 9 balles! On va faire avec. Avec tout ce que j'ai tué, j'aurais des munitions, mais... Ils m'ont pas vu. Ah voilà, ça fait plaisir d'avoir tout ça. Ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, petit couteau. Grenade. Rien d'autre. On va sous les munitions d'abord. Hop. Allez, c'est parti. Oh, ça sent mauvais là. Genre juste au-dessus. J'ai pas tué tout le monde. Hein.
Il semblait qu'il en restait un. Putain. Je savais qu'il allait venir, mais je savais pas qu'il allait venir forcément d'ici. Oh putain! Dans la tête, full dans la tête! Eh, hey, on a géré là. Et lui prend 4 dégâts, mon pote. Fergus. Bah oui, si je suis venu, c'est pour réussir, c'est pas pour perdre. Pessi. Ça, ça fait mal. Qu'est-ce que vous dormiez aussi, les gars? Vous a réveillé? J'en suis désolé. Casque en or. J'ai qu'à le porter. Là, il y avait des munitions. Là. Ah non, c'est un blindage. Putain, quand je me déplace avec le fusil à pompe, ça, je me déplace tellement lentement. Ouais, on va prendre ça. Non, que dalle. Non. Petit blindage. Oula. Ça fait quoi de se prendre une balle dans la tête? Ça va, lui, je l'ai niqué, lui. Pas laisser petit couteau. Je pouvais même le récupérer, genre, je le balance plein de fois d'affilée. Je sais pas si Aline, si c'est une bonne idée. Prendre l'avion, on la gaspille pas. Il y a quelqu'un. Je croyais que c'était Fergus, ça dépend parce qu'il était orange. Oh bordel. Oh les gars. Attendez. Couvre-moi! Je vais chercher une voiture! Je te couvre comment? J'arrive. Oh là ils sortent tout. Les démarrer. Ah c'est à moi de conduire. Bien sûr. Si je savais conduire, moi. Et Anya, fais gaffe. Futé, fidèle, Thanas. Coupe la grille, Blaskovic. Allez vite. Hop. Je suis pas content là. Ça marche. On va y aller avec un petit pistolet. Bon, on passera pas par là. Faut remonter. Je croyais pas que tu t'en sortirais. Mais pourquoi vous dites tout ça? Vous êtes pas gentil. Putain, la cinématique, le son est beaucoup moins fort. Oula. Voilà. Putain, le son tout pas bas, tout bas. Ils ont des espions dans toute la ville pour nous surveiller. S'il faisait nuit, on aurait plus d'options. Pas facile de pénétrer dans le QG de la résistance en plein jour. D'ailleurs, personne s'y est jamais risqué. Même si elle est dégagée, on a de la chance. Oh, et puis je préfère mourir à l'air libre que dans cette maison. Bien,
Soyez attentifs, ça va jouer en deux temps. D'abord, il va falloir qu'on se faufile pile dans l'angle mort. Vous êtes en position ? Allez, foncez, foncez ! Régalé. Tant qu'on reste dans le brouillard, personne ne nous voit. Maintenant, on passe à la seconde étape. Le grand plongeon. N'hésitez pas, lancez-vous. Dès que vous êtes dans l'eau, retenez votre respiration et suivez-moi. Quoi qu'il arrive, vous devez rester sous l'eau. Si vous remontez, on est mort. Il y a des nazis partout ici. Ne réfléchissez pas. Sautez ! D'accord, on se voit. Pour le coup, j'essaie encore pour la cinématique parce que. Ah, je savais bien que je suis reviré. Là, ils ont tout prévu, hein. Ferme. Merde, si j'ai croupi dans la prison pendant ces trois derniers mois, il devrait y avoir de gris devant cette putain d'ouverture. Ah, il n'était pas la dernière fois, ou peut-être que j'ai oublié. Je suis un putain de crétin sénile. Enfin, voilà ta nouvelle maison. T'as l'air d'avoir froid, hein. C'est comme ça que tu vas prendre à tes bras. Regarde les sous-titres parce que je... Attendez. Audio. C'est à fond pour voir. Possible, on est en plein cœur de Berlin et vous cherchez à peine à vous cacher, je comprends pas. Ils ne viendront pas chercher ici. Mais ils vont m'entendre. Bon, désolé, hein. Si on parle à ma passion. Tiens donc, B.J. Blazkowicz. Il n'y a bien que toi pour oser débarquer ici en plein jour. Madame. Ravi de te revoir, Fergus. Tu es donc en vie, Caroline. En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. J'ai trois vertèbres qui ont été pulvérisées. Et toi ? Trauma crânien, shrapnel de 10 cm dans la tête. Il y est toujours. Le côlon sectionné, choc septique et le pelvis en miettes. Amnésie aiguë, flashback et 14 ans chez les fous. Je suis contente de te voir, William. Et vous ? Qui êtes-vous donc ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ravi de te voir aussi, Tecla. Tout le monde te croyait mort, Fergus Reed. Tu as disparu depuis 3 mois. Reviens jamais d'Eisenwald. Et vous, revenu d'entre les morts, j'ai entendu des histoires sur vous. On m'a dit que vous étiez mort en 46. Et ça aussi, c'était faux. Vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Trop de variables. Je revois tout mon modèle. Merci infiniment. J'ai complètement tombé. J'ai entendu des rumeurs intéressantes venant de Londres. J'ai un dossier nommé Projet Murmure, mais quelqu'un l'a emprunté. Klaus, il me semble. Tu le trouver et me le rapporter, William. Maintenant que tu es là, je crois qu'on va pouvoir accomplir de grandes choses. Asseyez-vous avec moi, Frau Anya. Je vous charge d'écouter ces fréquences. Si quelque chose vient de Londres, notez l'heure et un maximum de renseignements. Voici un stylo et une feuille. Je peux le faire à la machine ? Vous savez vous en servir ? Oui. Mais... mes parents m'ont appris. Ah, pour noter ce qu'on vous dictait. Des ordonnances, par exemple. Pas vraiment. Ça m'a bien servi quand j'étais à l'Université de Londres, pour mon doctorat en archéologie. Quand le Blitz a eu lieu, j'ai dû rentrer chez moi. Je n'avais que 16 ans. Eh bien, professeur. Quand le clair a eu. Parfait. Aidez-moi à découvrir ce que trafiquent
Ces foutus nazis, s'il vous plaît. D'accord. Donc on est dans la petite planque. Tu pourras trouver Klaus à l'étage. Il devrait avoir le dossier du projet. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est celui qui est tout en bas de la hiérarchie, j'ai l'impression, ça c'est tout en haut. Donc nous, on a vu celle-là, on a vu le boucher, ça je sais plus comment ça s'appelle. Et tous les autres, j'en ai aucune foutre coup idée. Donc là, vous avez vu qu'on s'est énervé dessus, c'est juste un ancien nazi qui a déserté. Donc, Blazkowicz a pas très confiance en lui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, on va faire ça, on va visiter la petite planque plus tard. Petit sous-marin là. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye, à la prochaine.